Et salut tout le monde, c'est Drakkane. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live, toute nouvelle vidéo sur Isaac Afterbirth Plus. Et là, vous allez me faire « Mais putain, mais depuis quand tu joues à jeu ?» En fait, depuis beaucoup trop longtemps. Mais là, ces derniers temps, j'ai vu des lives, des gens qui jouaient, la sortie aussi de Neon Abyss qui est assez similaire. Et je me suis dit « Putain, j'ai bien envie de me retenter une run. » Alors je me suis dit « Je vais relancer le jeu. » Mais là où le fun va être vraiment présent, c'est que Isaac, je ne l'ai pas lancé depuis 3 ans. J'ai arrêté d'y jouer au moment de la sortie de la dernière extension, donc je ne la connais que très peu. Donc ça va être très amusant. Alors, j'en étais où? Isaac, j'ai même pas tout fini, vous pouvez voir, j'avais même pas tout fini à force au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. Aïe. Moi je dis, quitte à se remettre en jambes, ok, déjà j'ai même pas Apollyon. Je connais Apollyon, mais je l'ai même pas encore. Histoire de se remettre en jambe, on va se faire une petite run Azazel de qualité. Allez. Le son, ça donne quoi? Est-ce que c'est toujours bon le son? Alors, faut que je me remette les touches, ok. Oui, c'est comme ça que je joue. Ah oui, précision pour ceux qui ont l'habitude d'Isaac, contrairement à moi ou ce genre de choses. Je joue à Isaac à la manette, moi. Putain, ça commence bien. Ça commence très bien. Je fais partie des quelques personnes qui jouent à Isaac à la manette. Mais les trois quarts du temps, les gens sont au clavier et si, quand tu leur dis que t'es à la manette, ça les rend légèrement fous. Coudou. Exactement, ça marche pas donc ça vole, mais c'est parce que c'est le perso le plus simple pour se remettre en rang, j'en trouve. Ok. Sinon, t'inquiète, c'est bon. Ok, alors c'est l'essentiel. Je t'ai retrouvé. Hein? Non, Aaron veut ma peau. Empêchez-le de me faire du mal. Ah, fuyez. Enfin, laissez-moi fuir plutôt. Vous êtes sûr que c'est vraiment pas trop fort? Parce que j'ai vraiment cette impression, n'hésitez pas à me le dire. Bah, ok, un bad trip en plus. Waouh, elle commence hyper mal cette run. Sérieusement. Non mais... Comment on fait? Y'a pas moyen de... Ah si. Ah merde, non, je l'ai plus. Je peux plus reset. J'ai presque envie de reset ma run. Non, le son est bon. Ah, nice. De toute façon, je vous promets pas des grandes réussites hein, dans cette run. Ok, on commence avec Famine. Vous pouvez pas juste avoir un petit monstro pour m'y remettre, non? Fallait que ce soit un cavalier d'apocalypse. Ah, mon dieu. C'est ça, mais bad trip et objet nul, c'est... Ah ok, c'est bon. Ça... Ah, Bandage Girl, comment ça va? Bon là, c'est plus une boule, mais c'est pas grave. J'adore ces musiques. Le Burning Basement, ouf. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les Void maintenant. Maintenant, il y a des Void qui déposent des nouveaux mobs. Et... Quoi ça? Lost Corn. Je vois même pas ce que c'est cet objet. Bon, vraiment que je m'installe les Z. Pour les nouveaux items et compagnie, une fois que je les aurai identifiés, parce que il y a tellement d'objets dans le jeu, faut vraiment que je puisse identifier plus facilement. Ok, ça c'est fait. Ouais, bien sûr. Oh! Safe!
Ah ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de le prendre? Non, je vie tenter un Devil Deal. Je devrais pas avec la vie que j'ai, mais tentons les Devil Deal. C'est pas grave. On a Krampus Head ou même le Coil, on est bon. Oui, bonjour messieurs, dames. Ravi de vous voir, c'est un réel plaisir. Veuillez ne pas m'approcher. Oh, la Master Key. Oh, ouh. 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 Ah non, c'est le Freeze Effect. Putain, je reconnais même plus les objets. Je pensais que c'était pour attaquer dans le dos. Mais pourquoi j'ai pas de bol sur ce runner? Mais moi je voulais juste reprendre le jeu, je me suis dit que ça allait être bien, qu'on allait s'amuser. Et le jeu il me veut du mal. C'est quoi, c'est parce que j'ai pris Azazel que vous avez décidé que ça allait être ma fête? En même temps, je me rappelle, de base, pourquoi j'ai arrêté de jouer au jeu? Parce que j'avais pas de luck. Que j'ai passé des semaines complètes à tout faire pour obtenir Godhead. Que je l'ai eu au bout de plusieurs semaines de jeu alors que j'avais tout débloqué, mais qu'il voulait pas drop. Là, pourquoi j'avais arrêté de ce jeu? Parce que moi et la luck, ça fait zéro. C'est pas grave. Le shop, qu'est-ce qu'on a dans le shop? On a une pile. En vrai, le shop, il est pas. Il me tente pas. Il y a bien de nouvel objet, mais j'ai pas assez pour l'acheter donc. Ça va, vous entendez pas le ventilateur derrière moi en fait? J'y pense seulement maintenant. Bon, ça suffit avec l'élu Laron. Ça suffit. Bah voilà, un monstro! Ok, j'arrête. Ok, bah voilà. Ah, c'est laquelle? C'est quelle seringue? Bah oui. Oh putain. Oh mon dieu, je suis lent à la charge. Et j'ai pas assez pour récupérer. Et il y a des putains de bons objets. Tant pis pour moi. Non mais de toute façon, on est sur une run à objets nuls. Autant y aller jusqu'au bout. Oui. Déjà, si on atteint Mom, c'est une bonne chose. Mom Art, ce serait parfait. Alors, je sais que ma run elle pue. Et si franchement je suis capable de gagner avec une run pareille sur la reprise, ou que je suis capable d'atteindre ne serait-ce que Mom Art, en vrai, c'est que j'ai pas totalement perdu. J'ai encore un peu la main dessus, ça veut dire. Oh non, mais si j'ai The Poop, ça va pas le faire là. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui s'acharne. Allez, on y croit. Bon, c'est pas le pire, mais j'aurais espéré mieux. À l'heure actuelle, c'est presque le meilleur item qu'on ait eu. Judgment. C'est Godhead. Oui, parfait. Godhead qui était dans Isaac de base et qui faisait partie des objets les plus durs à avoir, mais qui au fil du temps ça simplifiait.
mais moi j'ai zéro luck, donc je n'arrivais jamais à l'obtenir. J'ai fait une semaine de reset de run non-stop pour obtenir cet objet parce que c'était le seul qui me manquait. Wouh ! Shot speed et damage up, enfin des vrais, enfin du premier loot intéressant. Wouhou ! Allez, on descend, je vais pas perdre de temps plus que ça. Allez, on est sur une run pourrie, je me fais marcher dessus, mais je gagnerai. Ok, c'est quoi les nouvelles têtes là-bas? C'est quoi ces nouvelles têtes? Putain, salope. Ok, ça attaque et ça retourne en... Allez. Et ça explose, j'avais pas fait gaffe. Ouais! Comment la run, elle est foutue! La run, elle est morte! Empêche-les de sauter. Laisse-les péter et empêche-les de sauter. Faut pas qu'ils sautent. J'ai eu un damage up au bout de 3 étages. Je vais quand même pas mourir maintenant. Ok. Alors vous, je vous connais. Je déteste les araignées dans ce jeu. Parce que les araignées dans ce jeu, c'est le random le plus total. Oh oui. Oh, forcément, c'était dur. J'aurais pu avoir un peu de chance et en avoir au moins un de pierre, mais non, il a fallu que ça soit que du rouge. Allez, le shop. Oui! Allez, prends ça. Essaie ça d'économiser. Quelque chose là-dedans? Non. Alors, la Broken Watch, même pas en rêve. Surtout dans mon état actuel. Un explosif. Ah, attendez, attendez. Est-ce que peut-être par le plus grand des hasards, j'ai encore le talent pour... Ouais. Mais pourquoi? Mais le jeu, qu'est-ce que t'as contre moi? Pourquoi la première secret room, c'est une secret room avec ennemi? Qu'est-ce que je t'ai fait, le jeu? Oui, bah, on va prendre ça parce que c'est le meilleur que je puisse avoir. Oh putain, j'avais pas ouvert l'autre coffre. Ok. Non, mais ce qui est bien, c'est que là, vous allez complètement pouvoir. Ah, oui, non, mais je sais, mais. Non, mais là, pour les gens pour les... auxquels j'ai déjà dit en vrai, dans d'autres jeux ou choses, que je n'avais jamais de luck, vous allez pouvoir y assister. L'absence totale de luck du Draken, vous allez la voir en vrai, hein, parce que là, wouh. Ou alors si, mais la luck par l'échec. Je vais uniquement avoir de la luck sur la fin parce que j'aurai galéré tout le long. Y a pas une pierre avec une croix, y a pas de taille. Non, bien sûr, ça aurait été trop beau. Oui, mais je ne partirai pas sans avoir trouvé l'objet. Sacrificiel knife, je veux dire. Knight. Je sais pas pourquoi, mais ça pue. Parce qu'à la rigueur, j'ai le mom knife que je connais bien, qui est très pratique, qui peut sauver des runs. Mais là, je suis pas sûr. Il ne parle même pas celui-là, non. Ah oui, et vous avez pu constater une constante avec moi dans le jeu. Je vais en permanence me tromper de direction. Je cherchais l'objet depuis le début qu'on arrivait ici et j'ai quand même atteint le boss avant. Qu'est-ce que c'est que ça? Fishtail?
Un knife d'Afterbox. Ok. Pas de trip, va te faire foutre. Super Envy. Tu m'avais manqué, mon gros. Spoiler, c'est faux. Donne-moi juste du loot. Du loot intéressant, c'est tout ce que je te demande. Non, mais je sais que c'est assez easy, mais... Oui. Ouais, oui, forcément, mauvais move. Ok, eux, c'est diagonal. Oh. Allez, on tente. Oh. Ouais. Ça ira plus vite que mon laser. C'est pas le meilleur, mais ça peut changer la donne. Ou pas du tout, si ça se trouve. Quoique là, il y en a un double lock. On tente. Oh, 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 oh. Oh oui. Des pills. Non, mauvais bouton. Pierce d'armes, parfait. Rétrovision, parfait. Oula. Alors, on commence par ça. Pandora's Box. Oui. Ça. Range et luck. Ça c'est quoi déjà? Curse of the Tower, you feel cursed. Est-ce que je prends le 9 life? Je sais plus. Je perds absolument tous les cœurs que j'ai si je le prends. Là, je vais me retrouver à un cœur noir. Je sais plus là. Ça fait tellement longtemps, je sais plus. Ou ça vire que les cœurs rouges quand elle est rouge. Cet homme qui est perdu. Je sais plus. Oh. Et avec la rétrovision qui va venir en permanence. Ah. Oh, oh, j'ai même gagné un cœur. C'était le bon loot. C'était le bon loot. Oui, je sais pourquoi. Parce que le jeu considère dans ses notes que je suis à moins 1 en vie. Quand tu démarres avec un Azazel. C'est les cœurs rouges qui te font plus en compte. Oh, The Stain, ok. Voilà. Oui, régénération, oui, HP up. Ça y est, la run revient. La run revient, les amis. Elle revient tout doucement. Ouais, je sais, je meurs, j'aurai qu'un cœur. Petit à petit en train de me demander si Tech 10 était vraiment une bonne idée. Vous êtes quoi, vous? Vous connaissez... Ah d'accord, quand vous mourrez, vous me lâchez un nid. Génial. The Sun. Oui. Plus de bombes. Bon bah essayons de récupérer des objets. Bien sûr. Ah mais les seuls trucs que je détruis, forcément ça me donne des ennemis. Mother is watching you. Même pas en rêve, celui-là je suis utile. «
3, le jeu qui veut que j'utilise des bombes. Voilà. En vrai, c'était peut-être une bonne idée de le prendre. Il n'y a pas une seule pierre marquée du tout, mais c'est pas vrai! Et c'est quoi ce jeu qui veut ma mort? Je suis en train de me recharger, les amis. Je suis en train de me refaire. Forcément, la prochaine fois, je ferme ma gueule. A plus, Aaron. Promis, j'oublierai pas. Purity, Dagaz, ça fait quoi déjà? Allez. Oh, j'ai gagné un cœur. Je vais juste 5 secondes. La map. Voilà. C'est pas ce que je voulais faire de base, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Tac. Donc forcément, hein, la constante, ne l'oubliez pas. Nous avons pris la mauvaise direction. Maintenant, il faut qu'on retraverse tout. Ah non, là, c'est... Oh, je suis complètement fatigué. Je croyais qu'on n'avait pas trouvé la chambre. Allez, sur qui ça tombe? Monstro 2. Eh ben. Bah oui. Marche dedans, Drac. Marche dedans. Le principe de Monstro pour gagner facilement, c'est de ne jamais être à gauche ou à droite. Alors vas-y, mets-toi à gauche et à droite. Et j'étais dans ma pierre là. Ok, je sais plus ce que ça fait. Oh, tear down. Ok, ok, ok. Oh, oh, oh. Oh, le devil deal qui était bon. Luck up, ok. Et infested. Bouh. Ah, elle était généreuse cette room, dis donc. Pour combien tu tentes une run avec des sans armes? Ça dépend, combien t'es prêt à me payer? Fais un don, je te dirai après. Je déconne, bien sûr. Allez, dev 2. D'accord, donc ça, c'est une pierre à 8 côtés qui tourne. Ok. Je note. Je prends note. On va te faire voir le jeu. Voilà. C'est quoi? C'est infested? T'as loupé une pièce. Ouais, je sais. Laquelle j'ai pas fait? Une fan what you desire. Je connais pas cet objet, donc je vais le prendre pour le connaître. Hey, what? Qu'est-ce que c'est que ce... Les gars, qu'est-ce que j'ai eu là? J'ai raté une pièce noire en plus. De toute façon, là pour autre. Est-ce que... Ah, j'ai une aura de poison. D'accord. Alors, c'est pas vraiment un objet de merde. C'est un objet de merde parce qu'il arrive tard. Mais en vrai, je pense qu'il peut être très efficace. Tu peux. Oui, tu peux donner des bons combos.
C'est quel objet que j'ai récupéré qui me dit... Ah oui, c'est la carte, voilà. La carte qui me dit que je suis maudit, c'est pour ça. Attends, même. C'est un objet qui est correct, mais qui arrive trop tard pour ma run. Enfin, je pense que même pour ma run, il est jamais trop tard, vu les objets que j'ai eu. Allez, dans le doute, pose une bombe ici. Salut, Spy. Two of Club, c'est lequel? C'était les bombes, parce que j'ai jamais eu assez de bombes dans cette run. Ah, bon, on est revenu au point de départ. Ah ouais, elle est là la pièce, j'ai même pas vu. Tac, ça on l'a passé. Donc là, on est d'accord, il n'y a pas de porte en haut. On est parti en bas, on a eu l'objet, donc on va partir à droite. Et bah coucou mon spy, installe-toi donc. Voilà. Non mais encore. Pour moi c'était une clé. C'est une clé, mais le problème c'est qu'on est en fin de partie. Alors les clés, malheureusement, j'en aurai de moins en moins besoin, sauf si j'arrive à atteindre de chest. Ok. Là on est d'accord, j'ai fait. C'était un sac de cul. Ok. Ok. Et là j'étais parti en bas mais pas là. Ok. Nouvel objet, pourquoi pas. Je pense que c'est parce que j'ai détruit un certain nombre de voids. Ça me paraît très logique. Donc une nouvelle arme qui s'appelle le Black Hole. Ok. Je prends note. Oh putain. Ah bien Drag, pose des bombes alors. Pose des utilise tes clés alors que tu voles. C'est vrai que c'est utile. Fabulous. Ah mais celui-là je le connais pas donc je vais le garder jusqu'au bout de ma run. Voilà. Sauf si je prends un... Oh punaise. J'ai l'impression que cette petite aura est pas si mal en fait. Et tu as une très bonne image de moi en tête Spy parce que c'est à peu près ça. Hein. Et posé comme une grosse loque. Les streams qui sont faits à l'arrache. Et ma marque de fabrique, YOLO Strat. Bon, maintenant qu'on a tout fait, Mom. Oh, c'est Mom rouge, donc ça va être que les pieds, vraiment. C'est une bonne mom pour reprendre celle-là. Même mieux que la basique. Ah. Yeah. Devil Deal, oui, on va prendre le négatif. Ouh, allez. Damage et tears up. Voilà. Bonk. Déjà le bouclier il drop hyper il pop hyper vite. Bon, ah. Ah non, The Womb, c'est vrai que c'est le nom de la zone. Ah là, mourez. Ah. Oula. Regardez-moi, je suis attaqué par des spermatozoïdes volants. Ça marche parce que je suis dans le vagin. Donc ça compte comme phrase. Pourquoi t'es blanc? C'est quoi les blancs? Je connais pas les blancs. Pourquoi les blancs normalement?
Oula. Bonne esquive. Eh oui. Oula. Putain, mais Bandage Girl, elle m'aura aidé mais tellement de fois. Allez, teste un coup. Rien du tout. Ah. Ici, de toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de room à objet, donc c'est pas dramatique, donc on se casse. Torlex. Ah non, c'est bon, toi on peut te toucher sur tout le corps. Tu prends plus. Ah non, on peut te toucher que sur la queue. C'est bien ça. Je croyais qu'avec le. Ouh, punaise, je croyais qu'avec le squelette qu'on pouvait toucher sur la queue et que le reste c'était. Ouais, bon ça. Bon shot ça. Ouais. Damage et range. Et là c'est un devil deal de merde. Allez, on y retourne. Tested et tears down. Ok, j'en veux aucune des deux. Ouh là 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 là. Oh. Allez, parce que j'ai pas assez d'une malédiction, je vais en prendre une nouvelle. Si ça se trouve, c'est l'objet qui va me faire perdre. Mais c'est pas grave, on aura bien rigolé, si jamais. Oh non! Maman, s'il te plaît. Forcément, c'est prévisible. Bon, quitte à avoir été attrapé, allons visiter autre part. De quoi? J'ai 17 clés. Oh oh. Un objet que je ne connais point. Oui, mais non. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais pas me faire chier avec un piège à la con comme ça. Non, mais d'où il m'a foncé dessus? Voilà. Douceur. Non. Pas vous. Parlez-vous les Bomberman. J'ai joué assez avec de bombes ces derniers mois quand j'ai fait Crash Bash. Barrez-vous. Bon, merci. Qu'avons-nous là? Est-ce qu'on a quelque chose sur un mur? Non, on n'a rien sur un mur, donc c'est que en bas. C'est que les cerveaux, pas trop mal. Heureusement que j'ai une portée qui fait aucun sens. La portée qui me sauve. Y'a quoi en bas? Les emmerdes. Voilà ce qu'il y a en bas. Oh, pin. Même pas un objet. Ah, mais... Eh, hey, mais cette run qui m'en veut. Coucou. Karma de merde. It lives, c'est parti.
j'avais oublié cette attaque là. Voilà. Et je me démerde encore pas trop mal. Bon, niveau temps, je suis pourri parce qu'on a même pas débloqué. On n'a pas du tout débloqué les bonus, mais au moins on a fait une run. Je suis content, on a fait une run. Voilà. Pour moi, l'objectif de la reprise est fait. On a réussi à atteindre Sheol. Ou la cathédrale, c'était le choix, mais on a réussi à atteindre Sheol. Oula, oula. Oh putain, j'ai Sonic derrière moi. Il est en mode Gotta Go Fast. Tout se passe bien. Oh Sloss, comment tu vas mon ami? Toujours avec tes verres? Ok, toujours avec tes verres. Des objets de qualité. Qu'est-ce que je me fais attaquer par une grosse chemise là? Ok, ça on a fait. Donc le bas c'est fait. Non. Tout doux. Voilà. Un personnage qui vole, c'est pratique dans ce genre de situation. Ouh, et en plus il y a une pierre. Donc tu mets là, tu fais tout péter. Plus de bombes. Ok, en bas, droite, c'est fait. Oh non, pas vous. Oh non, pas les fantômes. Non, pas les fantômes. Je déteste les fantômes dans ce jeu. Ouais, oui, il n'a pas foutu d'esquiver. Ah, quand je sais ce qui m'attend après, si je suis pas foutu d'esquiver ne serait-ce que ça. Chi ici, par des bombes. À niveau bombe, ouf. Ah, c'est là que je regrette de pas avoir un docteur fœtus ou n'importe quoi histoire de faire encore plus de dégâts. Allez, dans le doute, voilà. Non. Def. Ah, mais non, mais Def, c'est ça. Débilus. Ah, ok, j'ai re-eu Def. On va pouvoir s'en servir plus tard. En bas, c'était ok. En haut, c'était ok aussi. Ouais, mais aurais-je fait l'exploration correcte avant? Waouh. Ouais, déjà. Ah oui, c'est juste pour me changer mon apparence. Je ressemble à ça. Ok. Parfait. Tranquille. D'accord. Ça s'est bien passé. Si surprenamment que ça puisse être, ça s'est très bien passé. Un cœur. Non, non, barrez-vous. Barrez-vous les fantômes, je vous déteste. Ah, ça va me blesser pour ouvrir le coffre. Non, j'ai pas envie, j'ai pas assez de vie pour ça. Il y a une pierre marquée. Parfait. Allez. Ah,
Je lirai après, Spy. Là, ça va être un peu compliqué. Putain, j'en étais sûr. Allez, salut mon gros. Je connais plus tes phases. Je suis en train de piffer. Je suis en train de piffer. Et le pif est passé presque en full. En full tandis. Ah non, mais c'est vrai qu'il y a encore l'autre phase. J'ai oublié qu'il y avait une autre phase. C'est bon. J'ai peut-être. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. La Dark Room. Rétrovision, même pas en rêve. X-tray. X-lax. Ah non, X-lax. Ok. Infested, X-Nax. Ok, j'ai eu que des cartes de merde. Mais c'est pas vrai ce jeu. Je sais pas ce que je t'ai fait, mais pourquoi tu m'en veux autant? Mais oui. Un seul type de mob que je déteste, et bien sûr, je me les tape dans une des pires salles du jeu. Va te faire. Oh, un void. Ouh. Je sais plus. Ça fait quelque chose maintenant que j'ai posé l'objet? Non. Dans le doute, on va tuer lui. Pourquoi les messieurs, ils me donnent jamais d'objets et que des araignées quand ils meurent? Pardonnez-moi. Je suis en train de perdre mon sang-froid. Toi, t'es placé là, même à 2, ça devrait aller. Ah oui, c'est vrai que c'est des bodies. Voilà, les deux. Hein. Voilà, je suis hors de la moitié de tes attaques. Voilà. Non, oh, mais putain! J'ai pris un dégât dans chaque zone depuis que je suis arrivé. Je vais y passer, ça c'est certain. À mon avis, on va pas le battre. Hein. Non. Si j'arrive à battre The Lamb comme ça, c'est un miracle. Ben oui, le cœur. C'est bien, ça me remet bien dedans d'avoir choisi Sheol. Je veux dire d'avoir choisi... Je sais même plus comment ça s'appelle, cette zone. Ah. Non, il n'y a plus de nom. Il n'y a pas de nom ici. Ok. Un objet intéressant. Mais putain! Va te faire voir le jeu. Va te faire voir le jeu. Qu'est-ce que c'est que ces attaques, le jeu? Va te faire voir. Allez, les deux. Hein. Je suis pas accessible. Je suis pas accessible. Je suis pas accessible. Tu vas mourir comme un gros caca, d'accord? Merci. Poison touch. Mais putain! Mais c'est pas vrai! Mais donne-moi de la merde, je dirai rien encore! J'ai genre déjà pas assez eu d'objets de merde dans ma run, donne-moi encore plus! Suicide Knight? Non. Suicide King, putain, elle fait quoi déjà? Je sais plus!
Je sais plus, j'ai pas envie de l'utiliser. Si ça se trouve, j'aurais dû le prendre avec moi. Je viens de faire une énorme erreur. J'ai fait une erreur, c'est ça. Je suis sûr que j'ai fait une connerie. Non, mais bien sûr. C'était quoi le pourcentage pour qu'il prenne cette direction alors qu'il était en train de charger dans l'autre? C'est foutu. Allez. Allez, première mort. Guppy. Bon, dans le doute, maintenant que j'ai Guppy, on va tester ça. Viens avec moi. Ok. Donc c'est un bon objet de synergie Guppy, mais c'est de la merde sinon. Non, j'ai marché sur le coffre avant. Va te faire voir. Va te faire. On était sûr que ça passerait pas. Bon. Tant pis pour les trucs qu'il y a là-bas. On va tenter un coup, on va remonter. Ok. Mais c'était quoi ça? C'était quoi ces mouches? Je les connaissais pas. Allez, j'ai qui là? Super. Lust. Enfin, des Lust et des méga Lust. Ça va, il y a pire. Dans ma condition actuelle, il y a largement pire. Non mais le jeu. Je déteste. Bon. J'ai encore Suicide King, voilà. C'est pas grave. Contrôle tir, ok. Encore utiliser la carte. C'est pas la carte que je voulais utiliser, mais pourquoi pas. Ok, The Hourglass. Unicorn. Kill. Hein. Oh oui, oh oui, oh oui, 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 oui. Ah, attends, on a quoi là? Le Walnut, pas du tout. Judgment. Ok. Ok, alors. Ok, Unicorn Stamp. Les parchemins de la Mermotte. Je sais plus ce qu'ils font. Ils font quoi déjà? Ça te ramène toi. Ah non, j'ai pas utilisé le bon objet. J'ai pas utilisé le bon objet, je me suis TP! Pas de faire faute! Je voulais utiliser la bombe pour tuer l'autre. Snap! Bah oui, YOLO! Ok. Des petits ennemis de merde. Ils vont juste me foncer dessus. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok. J'ai donc dit. Toi. Bombe. Ok. Toi tu viens. J'ai un doute. Dans le doute, tu vérifies. C'est ça. Oh, c'est bien ça, ça me donnait un cœur. Ça, c'est Suicide King. Ok, c'est Suicide King. On l'utilise pas. On va prendre une autre carte en attendant. Ouais, The Star. Cet homme en panique. Par la carte des étoiles. Pas du tout. Non mais... Pas toi! Pas maintenant! Oh la luck. Two of hearts. Ouais, car. Il a... Oh, Gurdy.
Gordy Junior, je veux dire même. Putain, c'est foutu. Oh putain, la luck. La luck. Tout ça pour une pièce. Non! Et fuck. La dernière, et je suis bloqué de ce côté là. Ah ouais, non, mais de toute façon, c'est foutu. Je peux les contourner par. Est-ce que je peux les contourner comme ça? Le void. Tu fais quoi? Ça m'a juste changé des stats. Enfin, juste. Pas hyper grave que je change des stats, mais bon, pourquoi pas? Que c'est forcément qui la suite, donc c'est forcément face aux trois gros. Genre. Il y avait un caca avec. Non mais putain. Bon bah c'est foutu. Ah. Bon. Elle a presque fait une heure la run. Challenge, qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'ai pas encore fait. Ok. Ouais. Elle a ultra hard, même pas en rêve. Est-ce qu'on se ferait pas une petite daily? Daily run avec Azazel. Oh bah pourquoi pas. Ok, vous voulez peut-être voir autre chose que du Azazel, je suis en train de me dire. Est-ce qu'on se tente la daily Azazel ou est-ce que je reroll et je fais autre chose? Dites-moi juste. Pour moi ça revient du pareil au même quasiment, c'est juste que c'est pour ça que je vous le demande à vous. On a ici. Oh! Genre de truc qui tombe jamais. Mais pourquoi pas?
Excusez. Please hold me. C'est quoi cet objet? Ah oui, je découvre un objet que je connais pas. Tout va bien se passer. Non mais non mais. Fous-toi de ma gueule le jeu, je dirais rien. Non. Bizarrement, je sens que cette deuxième run risque d'être beaucoup trop courte, que je vais pas la réussir. Lost Fly, ouais. C'est quoi en fait? On va se taper maintenant une run à assistant, c'est ça? Une pièce! Je suis récompensé pour avoir éteint le feu. Une pièce pour tout ce bordel. Je me sens terriblement insulté. Ah, toujours des clés. Monstro! Evil range up, parfait. Non, je vais pas sacrifier 3 cœurs pour toi. Les nouveaux mobs, je les aime pas. J'ai une range trop courte. Donc le problème c'est que si j'essaie de m'approcher juste pour les triggers pour qu'ils soient plus près de moi, je me prends forcément une baigne. Ma cadence de tir est beaucoup trop lente. Faut absolument que je sois en moyen d'augmenter. Faut que je chope du loot pour l'augmenter, sinon on va être très mal. Scroll au pickaxe, scroll au pickaxe, scroll au pickaxe. En vrai y'a rien qui me tente. Allez hop. Voilà, ouais je sais. Voilà. Nouvelle run. Tac tac. Judas pour le Book of Belial. The Lost. Ah, j'ai quand même fait The Lost jusqu'à avoir le Holy Mantle, hein. Faut pas croire. Keeper, je l'ai quasiment jamais utilisé. On va se faire une run à Isaac à l'ancienne et ça sera la dernière run qu'on fera ce soir, je pense. Non, quoi que, on verra. Double fly, halo of fly. Je me suis planté, c'est pas grave, on continue quand même. On va assumer la connerie. J'ai pris le Halo of Fly, j'aurais pas dû, je vais le faire avec ça. Something's wrong. Ok.
Non, boost. Oh, The Rock. Oui. Ça commence bien. J'ai pris un item de merde, mais j'ai eu The Small Rock. C'est bon, ça. Wayne Johnson, non, pas celui-là. C'est pas le même rock. Ouais. Bandage Girl, le retour. Bon, au moins j'ai de la protection autour de moi. Voilà. Prochain truc, faut que ça soit intéressant, sinon ça va pas valoir le coup. Non, regarde, Spike, c'est pas Dwayne Johnson. Ça, c'est un caillou qu'on m'a enfoncé dans la tête. Regarde-moi. Ok, heureusement que j'ai utilisé dans le vent celle-là, sinon ça m'aurait mis dans la merde. Et là on a le boss, ok, j'y vais pas tout de suite. Cherchons d'abord l'objet. Rien du tout. Et un sac de cul. Parfait. Non, 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 putain, j'ai perdu tout mon Devil Deal. Je déteste le jeu. Attends, c'est lequel? Je crois que ça augmente ma vitesse de tir. Flash damage avec. Ouais, c'est bon ça. Par contre, j'ai perdu de la distance de tir. Pas dramatique. Cette fois-là, c'est pas dramatique. Le splash fera des dégâts. Fera office de bon bonus. Oui. Parfait. Cœur en plus? Bien sûr que oui. Tire shot. Et je sais pas ce que fait le petit parchemin. Oh. Il y a un mini cavalier de l'apocalypse pour m'aider, c'est trop mignon. Cavalier de l'apocalypse, mignon, pas un problème, Rack. Ah, il change d'apparence à chaque fois. Ah, j'ai voir.
J'avais pas du tout la distance pour me toucher, mais pourquoi pas. Ça peut vous faire plaisir. Ok. Ok. Fofo. Le void. Au moins j'ai des bons boucliers. Bon après il faut vraiment que je prenne des trucs qui augmentent mon attaque, sinon ça va pas le faire. Autant mon perso est très bien protégé. Qu'est-ce que je dis? Je suis bien protégé, hein, c'est ça, je me prends un truc dans la gueule. Pourquoi j'ai attaqué celui qui était plus puissant? Je ne sais pas. Oh, cette run ridicule. Ok. Ok. Bon, on va quand même tenter une vraie run. On va prendre qui cette fois? Parce que là, Isaac, je l'ai joué comme une quiche. Allez, Keeper. J'ai rien fait avec, ça va être drôle. Je sais même plus comment on joue. Je sais même plus comment tu fonctionnes, toi. Ok. J'ai un triple shot, ça c'est bien. Mais je sais plus comment marchent tes PV. Vous pouvez voir là les PV, c'est des ronds jaunes. Je crois que c'est des pièces, mais je suis plus sûr. Je sais plus comment ça marche. Je n'ai aucune idée de ce que je fais, monsieur l'agent. Ah, le gars qui connaît son jeu, mais c'est à peu près ça en fait. J'ai connu le jeu. Mais le jeu, je l'ai connu jusqu'à il y a 3 ans en fait. Bon, même si Keeper c'était un personnage de l'avant-dernière extension de Reaper, je dis pas de conneries. Mais que je l'ai pas beaucoup fait, quoique. C'est peut-être un personnage d'Afterbirth. Je sais plus. Parfait, premier damage comme une grosse quiche. Et bien sûr, je suis allé jusqu'au boss et j'ai pas trouvé la chambre de l'objet. C'est parfait, j'adore. Bon, j'ai pris un dégât, donc on va tester. Est-ce que... Oui! Les pièces me soignent, il me faut de l'argent dans cette run. Argent égale vie. Oh, des mouches. Ça va faire fou. Tech 2. Génial. Rayon magique. Famine. Tain, mais je t'aurais vu beaucoup toi aujourd'hui. Bah oui. Non, non, j'ai bougé. J'ai bougé. Bon. J'avais bougé. Mais le contrôleur va te faire foutre. La manette qui est contre moi aussi. Ok. Alors, exit. Non, pas continue. J'ai dit exit. New run.
ni peur. Non mais là, non, mais le jeu... Non, parce que quand tu démarres une partie et que le premier objet qu'on te donne, c'est un haricot pour te faire péter, je dis non, je fais pas la run. Oula, Envy dans cette salle, sérieusement, je vous déteste. Ok, le feu m'a sauvé la vie. Et je me suis fait troll. Vous voyez, je me demandais pourquoi est-ce que j'avais arrêté Isaac. Maintenant, je me rappelle. Parce que ce jeu me déteste. Persuadé que ce jeu a une âme, et du plus profond de cette âme, il me déteste. Je vois que ça. Allez, je serai toute belle. Et je me suis fait téléporter, allez vous faire voir. Même pas un vrai starter cet objet en plus. Il me fait du mal avec des objets qui fonctionnent même pas. Allez, dis-moi que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Oui, bah la cuillère en bois, allez, quitte à repartir sur une run pourrie. Repartons sur une run pourrie. J'aime bien regarder des vidéos d'Isaac. Tu vois toutes ces personnes qui ont des bonnes. Qui ont des bons starters et tout. Toi t'es là, tu démarres avec de la merde. Ouais, vas-y, va plus vite. Va plus vite, je dirai rien. Allez, demi-tour. Dis-moi que la ligne droite, ça va me donner l'objet. Ça me donne pas l'objet, ça me met un ennemi qui a des flames. Ah! Et le jeu, pourquoi tu me détestes autant? Et pourquoi j'ai pris cet objet en disant qu'il était bien, c'est que je pensais que c'était Tamized. Ça m'aurait fait un boost. Bah oui, la mouche. La mouche, il fallait qu'il y ait une mouche forcément.
Et j'en ai marre. J'ai que des loups de merde. Vous m'excusez un instant, je crois que je vais aller pleurer au bout d'un moment, j'ai que ça à faire. Ah oui, les one-up sont complètement useless avec lui. Parfait. Je vais aller pleurer. Encore plus. Parce que là, je suis fatigué, je crois, de toutes ces conneries. Lance à Isaac, que je me suis dit, ça va être marrant, que je me disais. Tear down. Tu ne regretteras pas d'y retourner, t'aimes bien ce jeu. Résultat des courses, le jeu me chie à la gueule. Pride. Autant garder ça. Quitte à avoir des objets de merde, autant garder des objets de merde qui soient plus rapides à charger. Hein. Yes, un coffre pour une clé. Oh, bon, il y avait une pièce avec. J'ai l'impression de me sentir moins arnaqué d'un seul coup. Bye, vous. Bye vous. Sortez de ma pelouse. Red pickaxe. Data miner. C'est pas ce que je voulais faire. Ah d'accord. Ça réoriente les... Nani. Je veux même pas à quoi ça a servi. Même pas savoir. Non. Bien sûr, tu pouvais pas me téléporter à un autre endroit. Tout va bien. Non, barre-toi. Barre-toi, je veux pas te voir. Oh, un petit mendiant. Merci. Je veux aller affronter le boss. Merci. Pestilence, et en plus dans un couloir. Parfait, génial, j'avais vraiment besoin de ça. Le jeu, quand je dis que tu me hais, évite de le confirmer. Vous savez quoi? Je pense qu'on va arrêter là. Et... D'accord, en plus le perso il veut plus bouger. Ok.
Et j'ai le jeu qui plante. Je déconne pas. J'ai le jeu qui a planté. Ah non. Puis j'ai là-haut. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Attends, je sais pas. Non, là, je récupère mes... Je bouge pas. Bon, vous savez quoi, hein? Là, ça veut dire que c'est la fin, hein? Voilà, allez hop. Oup, écran de fin. On va faire comme si on n'avait rien vu. Le jeu, s'il te plaît, mets-toi en silence, parce que voilà, des fois tu me fais quand même vachement peur. Voilà, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée, comme d'habitude. Et je vais vous dire à la prochaine. C'était Drakkane, pour tenter de se remettre à Isaac. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée, je pense qu'il va être temps d'aller dormir. Allez, au revoir les gens, au revoir.